Hey, hey, hey! Coucou les copains! Allez, on attaque la troisième semaine à la maison. On vit quelque chose de sacrément historique, hein, tous ensemble. Sais-tu qu'un tiers de la population mondiale est aujourd'hui confinée à la maison? C'est incroyable! Et qu'en France, le gouvernement, c'est-à-dire le président Emmanuel Macron et ses ministres, ont pris la décision de mettre le pays en urgence sanitaire. Mais ça veut dire quoi? En fait, rien qui ne change vraiment pour toi actuellement. L'État a décidé de poursuivre le confinement et tu n'as le droit de sortir qu'une heure par jour à 1 km autour de ta maison ou de ton appartement. Et ça, tu ne peux le faire qu'avec les membres de ta famille, évidemment. On ne sait jamais, mieux vaut prévenir que guérir. D'ailleurs, je sais que vous, les enfants, vous avez l'habitude, avec les adultes qui vous accompagnent en club ACE, d'aller très régulièrement rendre visite aux personnes âgées pour jouer avec elles, prendre le goûter, leur chanter des chansons, passer de bons moments, quoi. Elles doivent vous manquer. Et vous devez beaucoup leur manquer aussi. Alors, ce que je vous propose, c'est de leur écrire un courrier ou de leur faire un beau dessin et de leur envoyer. Trouve, avec ta maman ou ton papa, l'adresse de l'EHPAD, que l'on appelle aussi plus familièrement la maison de retraite, le plus proche de chez toi, ou bien téléphone à ta ou ton responsable de club pour qu'il te donne l'adresse de l'EHPAD où vous avez l'habitude de vous rendre. Et ce qui serait vraiment très chouette, c'est que tu demandes à quelqu'un de ta famille de te prendre en photo avec ce dessin et de me l'envoyer par mail à l'adresse Monsieur Truc, tout accroché en minuscule @ace.asso.fr avant de l'envoyer par la poste aux personnes âgées ou à ton responsable de club qui se chargera, lui, de les envoyer aux personnes âgées. Et sinon, tu sais, moi, je suis le perroquet le plus curieux de la planète. Et j'ai vraiment envie de savoir ce que tous les enfants de France vivent à la maison. Les enfants de la campagne, les enfants des villes et aussi des cités. Alors, je te mets au défi de m'envoyer un courrier dans lequel tu me racontes ou bien un dessin qui me montre ce que tu fais et vis à la maison. N'hésite pas à me raconter tout ce qui ne va pas et aussi tout ce qui va bien. Je me ferai un plaisir de te répondre personnellement avec l'aide de ma secrétaire personnelle. Bah oui, hein, pas facile de taper sur un clavier avec ses plumes. En tous les cas, j'espère que tu fais très attention à toi et à ceux qui t'entourent. Passer du temps avec les gens que tu aimes, voilà ce qui est essentiel. Je te becque bien fort, mon ami. Et je te dis à la semaine prochaine !